qu'on s'incline pour le repos de l'âme du maire, le premier ministre Ahmed Bakayoko. Merci à vous. Elle va faire tour pour saluer tous ceux qui ont fait le déplacement pour cette cérémonie d'hommage au premier ministre, au maire de la commune d'Abobo. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, le conseil municipal a décidé de rendre hommage à celui qui aura en si peu de temps impacté. Porte vraiment le deuil, c'est la tristesse, c'est les pleurs, l'émotion est grande, l'émotion est forte, c'est la désolation. Allô, mesdames et messieurs, comme je vous le disais aujourd'hui, c'est une grande journée de hommage. De ce matin jusqu'à 17h, c'est une journée d'hommage à l'honneur du maire de la commune d'Abobo, le premier ministre, son Excellence, M. Ahmed Bakayoko, qui nous a arraché à l'affection des siens le 10 mars dernier. Pour ce faire,
Le conseil municipal a décidé d'organiser cette cérémonie de hommage avec toutes les ressources professionnelles de la commune. Ici, je vois les chefs de communauté, je vois les chefs de village, je vois les chefs religieux, je vois les leaders d'associations, je vois les partis politiques et je vois un grand nombre. Le RHDP qui est là pour rendre hommage à l'un de ses valeureux membres. Il y a aussi le personnel de la mairie. Tout le monde est là. On a les sportifs, on a les jeunes, on a les femmes. Tout le monde est là pour cette cérémonie-là. Monsieur le reporter photo, mesdames et messieurs les journalistes, nous allons vous demander de libérer la main courante. Nous allons demander à tout le monde de libérer la main courante. La cérémonie va commencer. Mais c'est un peu comme ça pour nous. Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mère Honorée Dabogo, Madame le ministre Jean-Clément Prémé-Agent-Aubert, Mesdames, Messieurs les agents-aubert, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, honorables chefs de village, honorables chefs de communauté, éminents guides religieux, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. Aujourd'hui est un jour important. Aujourd'hui, le conseil municipal a décidé de rendre hommage, de consacrer une journée d'hommage à l'honneur, à la mémoire de celui qui aura transformé Abobo en cité d'État, de celui qui aura impacté véritablement la vie des Abobolais. J'ai cité le premier ministre, son excellence, M. Albert Bakayoko. Sans cette forme de discours, nous allons regarder le déroulé de la cérémonie et nous allons appeler ici le conseil municipal pour le passage. Oui, le conseil municipal, s'il vous plaît. Adam, le conseil. Et votre mission. Allez-y.
Le conseil municipal est en train de s'incliner ici, avec à sa tête le ministre Kandia Kamara, suivant le légende du monde. Ensuite, le maire Touré Kissa Kennedy. Ensuite, le maire Ouattara Brahima. Ensuite, le maire Kwame Benzel. Ensuite, le maire Ben-Georges. Suivant les conseillers municipaux. Mesdames et messieurs, nous souhaitions que vous veniez en colonne de deux pour qu'on puisse aller un peu vite. En colonne de deux, s'il vous plaît. Voilà, tous ceux qui vont suivre. Après le conseil municipal, je vais appeler ici le secrétaire général ainsi que tout le personnel de la mairie. Le secrétaire général et tout le personnel de la mairie. Le personnel de la mairie, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Faites du rang. Le personnel de la mairie. Après le personnel de la mairie, je demande au chef du village de s'apprêter, le chef du village d'Abobote, le chef du village d'Abobo-Baoulé, le chef du village d'Amokwa-Kouté, le chef du village de Djibi, le chef du village de Akeikwa, le chef du village de Ngessankwa, le chef du village de Anisankwa, le chef du village de Anikro. Suivront les chefs de le colloque des chefs des communautés. Le passage du personnel de la mairie va prendre fin d'une minute à l'autre, donc je demande au chef de village de s'apprêter.
Au niveau des chefs de village et de communauté, il y aura des échanges de paroles. Et le porte-parole ici sera le chef en Mao, Paul Dabogoté. Parmi les villages, j'ai omis de citer Agbekwa. Le chef du village d'Agbekwa vient de m'interpeller, donc Agbekwa est bel et bien présent. Mesdames et messieurs, pour ceux qui sont déjà passés, il y a un livre de condoléances qui est là, qui est à votre gauche ici, à la sortie. Vous pouvez graver des mots pour le maire, s'il vous plaît. Le livre de condoléances est là. Il y a un livre de condoléances là, qui est à ma gauche. Dans le livre de conseil de condoléances, c'est les chefs des délégations qui peuvent le faire. Nous allons marquer une pause pour les échanges. Et pour ce faire, nous allons appeler le conseiller municipal, Ella Diabaté Loceni. Chef Amao. Des porte-parole des chefs religieux et des chefs de communauté, au nom de Madame la ministre Kandia, au nom du conseil municipal et au nom de la municipalité, nous vous demandons les nouvelles en ces circonstances douloureuses et difficiles. Merci, cher frère.
les nouvelles ne sont pas bonnes. Je dirais même qu'elles sont très mauvaises. Agogo est en deuil. Et comment? Madame la ministre, Monsieur le ministre, honorable maire, honorable membre du conseil municipal de la commune d'Abobo, l'événement qui nous réunit ici est exceptionnel et n'est pas heureux. 2018, au terme des élections municipales, Abobo a confié son destin au tout nouveau maire, son Excellence Ahmed Bakayoko. Sa vision nouvelle, immédiatement partagée, a relancé l'espoir des Abobolais. 2018, février 2021, en moins de 3 ans, notre commune, naguère désignée par des qualificatifs et superlatifs négatifs, est en chantier et reprend des couleurs. Tous les domaines de la vie des habitants d'Abobo ont été impactés. Abobo est zoo. Selon notre slogan. Et c'est une réalité. Le 10 février 2021, en la faveur de la présentation des candidats de sa famille politique, le RHDP, aux législatives du 6 mars 2021, notre maire nous reçoit en personne, ici même, de 14h à 19h, avant de repartir sur d'autres chantiers de la République. Nous nous sommes écriés, quelle énergie! Et j'ajouterais même, quel don d'ubiquité! Il est partout à la fois. Sans nous le faire savoir, ce 10 février, Ambak, vous venez de nous faire vos adieux. Abobo, depuis le 10 mars dernier, est inconsolable. Qui saura nous faire oublier, chantait Mike Brandt. Pour cette adresse hommage à notre très regretté maire, j'ai tiré mon inspiration des 2 poèmes que j'ai remaniés pour la circonstance. Le premier est de Paul Verlaine, le second d'Alfred de Vigny, tous 2 poètes français émérites. Paul Verlaine me permet de traduire le ressenti de tous les Abobolais, des Ivoiriens, des Africains, voire du monde, devant cette haute épreuve de trop qui nous cause une peine immense. Et je cite Paul Verlaine, remanié, il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur Abobo, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, voire le monde. Quelle est cette langueur, cette douleur indescriptible qui pénètre nos cœurs? Il pleure sans raison dans nos cœurs qui s'écœurent. Quoi? Nulle trahison. Abobo n'a pas lâché son maire pour que Ambak, tu nous quittes sans mise en garde. Ce deuil est donc sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, malgré tant d'amour, malgré nos reconnaissances, les cœurs des Abobolais ont tant de peine. Fin de citation. S'il lui était possible encore de s'adresser à nous
de vive voix d'où il est aujourd'hui, pour nous soulager, atténuer un tant soit peu nos peines, comme il a toujours su le faire de son vivant en moult occasions, et les témoignages abondent, eh bien notre regretté mère dira à chacun de nous, intimement, fraternellement, avec le respect et la courtoisie qui le caractérise, en empruntant au second poète, français, Alfred de Vigny, cette parole remaniée pour la circonstance, et nous citons. Entendez par ma voix celle de Hambach, qui nous dirait alors, gémis, pleurez, je lamentais, j'irai lâche. Fais donc énergiquement à Bobo ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler, comme je le fais moi-même. Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. Fin de citation. Aussi, au nom de la chefferie traditionnelle et des vaillantes populations de notre commune, adressons-nous nos sincères condoléances à son épouse et à ses enfants éplorés, à la grande famille Bakayoko et à tout le Gorodougou, à tous ses dévoués collaborateurs et aux membres du gouvernement, ainsi qu'au président de la République et à la première dame qui sont inconsolables. Que le Tout-Puissant daigne apaiser les cœurs meurtris, nos cœurs meurtris, les cœurs de chacun et chacune de nous, et qu'il accorde le repos éternel à notre regrettée mère. Que la paix soit avec nous. Que Hambach repose en paix. Merci. Merci.